Coucou les petits loulous. Ça clignote, hein. Malgré les lunettes de soleil, ça clignote. Où est-ce que j'en suis? Je vois plus rien. Ah, mes yeux. Coucou tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez pas? Salut Eiffel. J'ai remarqué que dans cette veste magnifique, il y avait des poches. On peut certainement mettre des trucs dedans. En tout cas, c'est pas mal. Bon, là, c'est pas vraiment la saison pour le... pour la peau de bête. Mais, alors, c'est du vrai, hein. On voit pas la dépense chez Canard PC. Alors, fini les balivernes. Ah. Mais il y a pas d'épileptique ici, vous inquiétez pas. Comment allez-vous? Ça y est, Morgul, j'ai plus froid, je me suis réchauffé. En plus, là, vous le voyez pas, mais derrière moi, derrière le panneau, là... Ah non, ça, c'est ma chaise. Là, derrière le panneau, là, donc. Il y a un rack avec le serveur, et ça souffle de l'air chaud toute la journée. Super, vous savez que ça, c'est ma signature d'email officielle. Les gens doivent prendre pour un débile mental. Alors, dans les... Ouais, parce que bon, je m'étais fait couler un café, donc c'est vu que c'est compliqué de jouer et de boire un café. Je vais commencer par une petite auto-promo. Ça fait déjà une dizaine de jours hein, qu'il est dans les casques. C'est le Canard PC nouvelle formule. Bien épais, regardez-moi ça, cette tranchasse. Là, il y a du... Là, il y a de l'objet, là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore eu dans les mains. Deux, trois choses. Alors, j'ai vu passer des... Bu, il n'y a plus de pastilles rigolotes. Non, mais ça fait déjà plus de 3 mois. Hein. Je crois que c'est le 4e numéro sans pastilles. Il faut rester... Bon, parce qu'autant nous, on aime bien la gaudriole, autant se répéter ad vitam, ça n'a aucun sens. Et également, dans vos kiosques et vos maisons de la presse, le Canard PC Hardware, qui est un hors-série, celui-là, donc il n'est pas compris, si vous êtes abonné, il n'est pas compris dans votre abonnement. Il faut aller acheter ça en IRL, j'ai envie de dire, voilà. En présentiel, faut aller l'acheter en présentiel. Voilà, avec un guide sur un guide d'achat sur tout savoir pour bien acheter. Vous le savez, les rédactions de presse non-stop Canard PC sont des rédactions indépendantes. La plupart du matériel, on l'achète. Beaucoup de jeux qu'on achète également. Donc, vous êtes assuré d'avoir un avis non biaisé et indépendant quand vous achetez les parutions de Canard PC. J'aurai fini mon tour de promo en disant que demain, attention, demain, 17h, pour les fans de foot, PSG contre le Canard PC Football Club. Merci Oli. Donc le coach Yvan vous emmène donc ça se c'est comment on peut appeler ça, on peut appeler ça un classico, voilà, c'est un classico, le Canard PC Football Club contre le PSG. Et Yvan m'a dit hier avant de partir, on va leur foutre au fondement. Il m'a dit bon, je sais pas comment ça va se passer, en même temps c'est du sport, rien n'est jamais écrit dans le sport. Oh, regardez, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, Beyrouth. Ah non, c'est pas un fanzine, c'est un webzine. Un webzine qu'on connaît à peine, qui a 3,5 lecteurs. Le Canard Sico Eiffel, exactement. Alors, touk. Alors, nous y voilà. Salut Fratus. Vous avez passé un bon week-end? J'ai passé un super week-end. Un week-end sportif, j'étais voir ma mère,
Je me suis arrêté au feu rouge et j'ai fait du sport. Je suis pas titulaire demain. En même temps, vous allez rire. Parce que je vous connais un peu moqueur, un peu facétieux. Mais je prépare ma moto parce que jeudi, je repars en moto dans le Massif Central. Voilà. Mais je reviendrai à l'heure pour mardi prochain faire l'épisode numéro 18. Je vais vous faire du prêt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun viewer sur Twitch sur mon créneau de 14h. J'arrêterai quand tout le monde en aura marre. Voilà. C'est ce que j'ai dit, ce que j'ai dit à Jules. T'es sûr, 17 épisodes ? Mais... Alors, le 21 mai ou le 1er juin ? Bah, grave que... Cancel, don't copy anything now. Upload to the Steam Cloud. Ah, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il aura quel pré-file conflict with the unstored. Ah, moi, je veux local file. Du premier. Voilà. Ah oui, le plus récent, Fred, évidemment. Alors, aucune idée de où on en était resté. Morgul, je serai là jusqu'au bout. Mais je crois que le record du monde, c'était 12 épisodes, je crois, avec Flight Sim par Agbu, forcément. Flight Sim, Agbu. Alors. Ah, t'as raison, Fred, c'est peut-être Satisfactory. Et il a. Il y a du Satisfactory. Et je crois qu'il en a fait plus de 17, lui, non ? Il n'en est pas à 20 ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus. Alors oui, ça y est, ça me revient. Il y a les méchants russes qui sont arrivés pour nettoyer Talos. Donc on a trouvé le chemin pour aller... Salut Harmony ! Pour aller à la Shuttle Bay. Donc c'est là où ils ont rentré leur shuttle. D'où Shuttle Bay. Et 30 épisodes Satisfactory ! Eh ben mon coco... Alors, Fred, en fait, et, non, ils sont méchants parce que je crois qu'ils ont un agenda. Alors, un, c'est de zigouiller tous ceux qui sont dans la station spatiale, déjà. Ils ont envoyé des drones méchants avec des lasers. Alors, je m'en suis séparé hein, de la plupart. Ouais, j'ai avancé un petit peu. Alors, regardez-moi ces cochonneries. Regardez ça. Il y en a récupéré. Alors ça, voilà, le Military Operator. Bim. Ah bah voilà, on peut récupérer des trucs. Ouais, puis ils arrêtent pas de couiner, là. Il est mort. Ça, c'est rien du tout. Est-ce que j'avais nettoyé... Il n'y a rien. Est-ce que j'avais nettoyé cette pièce ? Donc, en fait, c'est comme un hall d'aéroport, mais bon, c'est dans l'espace. Hein. Dis donc, Eddie, t'as pas l'air en pleine forme. Hein. En même temps, moi, je suis détective, j'arrive sur la scène. Il y a des bouteilles vides par terre. Le mec, il est dans son vomi. Oh, merde ! Il y a un military opérateur. Arcas. Aïe 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 aïe. Donc là j'ai pris cher. Il m'a pris 50% de ma... Je peux récupérer les spare parts ? Repair, non.
operator deployment resuming. Mais je croyais qu'il n'y en avait plus. Je fais un piètre joueur quand même. Alors, ensuite, en dessous, alors vous voyez c'est très grand, il y a des tourelles. Alors je vous rappelle que nous on a de la matière extraterrestre. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il est Kiblo? Mais il n'a pas l'air en forme lui. Bing. Ah, je crois qu'on a un bug dans la matrice là. Ah bah non il est là dis donc. Nous sommes morts. C'est horrible. On est morts. Bon, il va falloir que je trouve autre chose que la clé à molette. Genre avec des trucs comme ça, je pense qu'on a des trucs électriques qui marchent pas mal. Alors attendez, parce que du coup... on va pas se faire avoir deux fois. Ah bah merde, on a plus de glue, dis donc. Shotgun, on a, mais bon, ça fait chier quand même. Et ça, c'est quoi? Disrupteur stun gun. C'est parfait, ça, pour un truc électrique. Bon, là, je les vois pas. Hein. Que j'ai encore des munitions là-dessus. Ouais. Ah ça c'est les piles. C'est pas ça? C'est pas les piles. C'est pas ces piles là qu'il faut pour. Donc, j'allais vous dire. Il y a des tourelles. Et donc il faut trouver un moyen de descendre. Là j'avais nettoyé aussi. Là il n'y a pas grand chose à y faire. Alors tout à l'heure on était reparti dans cette scène, on s'était fait attaquer tout de suite. On était passé par là. Et on était tombé nez à nez. Bon bah écoutez. C'est pas bien grave. Ah, il y en a un là. On va voir si on peut lui tirer dessus. Merde. Donc alors j'étais en train de vous dire tout à l'heure. On a de la matière extraterrestre avec nous, donc les tourelles nous prennent pour des ennemis. Alors que bon, on est pipoune. Est-ce que ça marche ça? Grave que oui. Mais... Ah, il remonte après, tiens. Ah oui, ça le stun, c'est tout. Bon, il remonte pas. Alors pourquoi ça a éteint la lumière, là, d'un seul coup? Alors forcément, sinon ce serait pas drôle, en bas il doit y avoir aussi des aliens. Bon, on va y aller. Mais il fait nuit maintenant. Là normalement on va pouvoir y aller mais de l'intérieur.
on va prendre. Ah, des UMP, j'en ai 5. Merde. Merde, elle est tombée tout en bas. Ah bah vas-y le pro gaming. Hein. Le pro gaming. Ah, il y en a une là. Ok. On va arrêter de dépenser ses munitions inutilement. Et on va y aller gaiement. Je pense que là ça passe. Hein. Geronimo ! Aïe. On n'a pas pris, on n'a pas pris trop de dégâts. Oui, on a commencé le stream par se faire trucider. Bon, écoutez, alors là, il y a des ascenseurs, mais c'est pas ils ne sont pas. Donc là, on retourne dans le lobby. Là, on peut pas aller dans le truc d'information. Bon. Allons explorer. Là, on la voit bien, la navette. Hein. Allons explorer un petit peu par... Attendez, hop. Prendre cette petite lampe de... Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait tirer par en... dessus, par en dessous, c'est ça? J'ai pas vu. Bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Je sais pas comment on monte sur cette navette, moi. Il faut la faire descendre, c'est ça? Bon, on va y aller. Avec une toile dans le coin. Une toile dans le coin. Il y a un serpent dans ma botte. Disons, c'est un peu le bazar ici, ils ont rien rangé. Hein. Alors comment on l'a fait descendre cette machinette Ah. Erreur. Il me semblait qu'il y avait une autre tourelle ici, non? Ou c'est moi? C'est moi? C'est quand la peur... Ah non, mais la peur, c'est tout le temps. Notamment avec l'ambiance sonore. Vous entendez, là? L'ambiance sonore. Puis des fois, ça s'arrête. On sait pas pourquoi. Mais avec mon shotgun, la peur, elle change de camp. Non, pas vraiment. Alors. On fait le tour méthodiquement. Hein. On va essayer de voir s'il n'y a pas un indice quelque part. Pour remettre l'électricité. Je ne vois rien du tout. Vous voyez quelque chose, vous? C'est super sombre. Hein. Ah, le soleil revient. Qu'est-ce que ces bruits? Voltaïque. Ok, d'accord. Voltaïque.
EMP de charge, ça marche sur les voltaïques. Bah il vient pas. Je l'ai pas luré. À moins que il soit pas dans la même pièce. Donc on va reprendre son doudou. 20 cartouches, faut y aller mollo. Il est où le voltaïque? Il est où le voltaïque? Ah, ma souris qui ont mêlé avec alors. Bah ici. Non, il est pas par là. Ailleurs. Mais là, on peut pas rentrer. Salut, ça va? On l'a bien researché, lui. Ouais. Pas de nouvelles data. Comment on va rentrer là-dedans? Me tire dessus. Cette ambiance sonore, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un a une idée de où est-ce qu'on pourrait remettre le courant? Ici, j'ai pas exploré. Hein. C'est vers le guts. Le guts, on n'en veut pas. Ça, c'est vide. Je regarde un peu au-dessus quand même. On va voir s'il n'y a pas une entrée un peu perchée. Mais là, il y a un gros schmutz. Ça se trouve, il y a un trou. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir, on va taper dessus. Ah, il y a un trou. Là y est. Le doudou. Il y en a pris deux dans la tête. Bim. Le petit recul. Bien. On peut rentrer là? Voilà. Allez. Je suis coincé. Je suis coincé. D'accord, ok. Il suffisait de péter la vitre. Ok, on va essayer de voir ça après. De l'hypo, ça me va très bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Il y a encore. Oulala, il y a plein de trucs à récupérer. Bah, il va nous falloir un recycleur parce que là. Utilities. Remettre le courrier. Grav shaft controls. Warning. This ensures there are no person inside the gravity shaft. Bah, ça on s'en fout. En tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc à récupérer.
récupérer. Ok, et là. Ouais. Du glue. Clear. Clear. Non. Repose. EMP charge. Bon. C'est très bien ça. Safety first. X jours sans... X jours sans accident. Un a priori. Il y a un a priori. Je ponk. Ça, c'est pas mal. Oh, regardez. Du thé. Eh ben, au contraire, on va commencer par le... Hop. Alors, en temps normal, ça peut aussi faire remonter la jauge de mana. Enfin, que j'appelle mana, mais c'est pas de la mana. Tic 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 tic. Il faut vraiment retrouver un recycler là. Oh bah dis donc. Ah, il y a un post-it. Whoever keeps making duplicate items, stop, fabricator is not a toy, materials are not unlimited. Alors si ma mémoire est bonne, ça c'était un glitch dans le jeu original. On pouvait, en dupliquant les blocs de matière qu'on avait... Oh, un neuromode. On pouvait fabriquer autant de matière qu'on voulait. Donc c'était évidemment super cheaté, parce que, bah... On pouvait fabriquer tout à l'infini. Ah mais merde, ça c'est pas du tout un recycleur ça, Denis. Non, Fred, c'était pas que le code 0451. Et je vois ce que t'es en train de faire là. Hein. T'es en train de te moquer un petit peu. Recycleur. Fabricateur. Opérateur dispenseur. Monsieur, il est corrompu. Donc là, il faut ressortir et il est là. Mais je croyais qu'il était hors tension, non? Un level au-dessus, il n'y a pas. Et un level au-dessus. Ah bah, on n'y a pas été encore. Ok. Donc, nous repartâmes à la recherche. On a fouillé tout ça? Oui. Est-ce qu'on... Là, on peut pas passer. Ah, si. Qu'est-ce qui se passe là? C'est les flammes qui glitchent. Là, j'ai pas vu de flammes. Hein. Bref. Yay! Il est ouvert celui-là. Les grenades. Ah oui, ça c'est chic aussi ça. Alors, on va dump. On va dump tout ce qu'on a. On va auto-sort. Agboost nous écoute. Voilà, hop. Et on va recycler. Ah merde, on est là-dedans. Ah mais dis donc, regardez ça. On n'est pas stuffé, mais on commence à être pas mal. Ah ouais, d'ailleurs, on peut voir ce qu'on a en métal. Ça c'est quoi ça? C'est minéral.
Exotique 112. Pff. Synthétique 26. Organique 37. On n'a pas de métal? Ah bah si. 4,97. C'est pas beaucoup, mais on va quand même fabriquer des... On va quand même fabriquer des shotgun shells. Oui, donc ça doit être un tuyau qui crache des flammes, et en fait, je le vois pas. Est-ce que je l'entends? Ça doit être par là-haut, un truc comme ça. Bon, peu importe. De toute façon, ça nous a retiré 2 points de vie, je crois. Ah, on va pouvoir fabriquer qu'une seule boîte. On va la prendre quand même. Ça va faire, ça va en faire 12 de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire là? L'anti-rad, je crois qu'on en a plus. Ah si, on en a 2 encore. Ça on s'en fout. Psy-hypo. On en a 2. Psy-hypo, il faut quoi? Merde. Psy-hypo, il faut... Ah bah là, on boufferait le dernier métal qu'on a. Disruptor stun gun, on a. Nul transmetteur. MP charge. On va attendre d'avoir un peu plus de métal. Bonjour Magila. Magila, Magila. On ne sait pas. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour hein, ici et on n'a toujours pas allumé l'électricité. Cette porte est condamnée, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Où est-ce qu'on n'est pas passé? Clic, un peu de lumière. Là, vers le bas, on n'y a pas été. Et là, on me dit qu'il y a un truc dangereux. Ah, d'accord. C'est de la matière nucléaire. Dangereux, dangereux. Il suffit de savoir que c'est là, quoi. Alors, on descend en sautant ou... Comment est-ce qu'on fait descendre ce gros machin là? Ah bah d'accord, c'est tout radioactif ici. Je vois pas trop comment est-ce qu'on peut le faire descendre. To operate, use terminal. Main control terminal is located at entrance. Entrance. Donc là, on en vient, c'est ça? Ah non, ça on n'a pas fait. Et là, on a le badge pour la Shuttle Control Room. I know you'll never read this. Bah si. I ran out of my office when I heard you screaming, but there were just too many of them because...
too many of them between you and between me and you. You were always really nice to me. You didn't deserve to die like that. And now they're in my office, and I'm surrounded out here in this cage. I can't help myself, much less you or even Mia. Even when I try, I still screw things up. I'm sorry. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est petit suicidé? On ne saura pas. La canisse de trucs qui explose. C'est un truc là-haut. On entend bien les flammes là, mais on les voit pas. Dis donc. Des canisses de glou. Genre, il y a des perceuses industrielles. Bon, on a tout récupéré ici, c'est bon, on peut y aller. Oui, donc il y a un glitch avec les flammes. Ça, on était passé tout à l'heure, donc c'est bon. Remontons. Mais comment il veut quoi? Ah bah si, je sais comment on peut remonter. Par l'escalier. On va remonter par l'escalier. Un truc complètement high-tech. Bon, ça c'est toujours pas branché. Où est-ce qu'on branche l'électricité, les petits amis là? Donc, on me disait que c'est... Là, ça serait bien si on pouvait rentrer. Ah, mais on a peut-être la clé maintenant. Bon. Unlock. Un euro mode. Ça, c'est y a bon, ça. Weapon upgrade kit. Ça, j'ai appris qu'il fallait les utiliser quand même assez rapidement parce que je crois que ça prend deux slots dans notre sac à dos. Et ça sert à rien d'en avoir Shuttle Bay Security Error. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis bien embêté, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc il faut qu'on rentre dans cette shuttle là-bas. Vous avez suivi ou pas? Command shuttle. Je pense que... On va peut-être sauter sur... On va voir si on peut sauter sur l'aile. Ouais, c'est quoi ça? Alors oui, on avait dit... Upgrade. Donc, notre shotgun, il est... Ah non, il a reload speed encore à upgrader. Weapon upgrade kit. Mais pourquoi j'ai deux pistolets, moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oulala! Lui, on va le dropper. Firepower, on peut pas... Mais pourquoi avoir déplacé le stream du mercredi au mardi? Mais j'ai jamais streamé mercredi, moi. C'est toujours été mardi après-midi. Ah, Cuistre Roi, on passait peut-être à côté d'un truc radioactif, t'as raison. Et pourquoi j'ai deux glou canons là? Denis, tu fais n'importe quoi. Ah bah ça y en a de la place maintenant. Qu'est-ce que j'upgrade du coup? Parce que ça c'est quasiment upgradé à fond. Reload speed, on s'en fout. Hein. Ça c'est pas très puissant. Donc...
Web off. On se sert de quoi? Ça, c'est quoi ça? On va upgrader le Glouc. Pourquoi il me dit 2 ici là? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ces petits chiffres dans le coin en haut à gauche? Est-ce que quelqu'un sait? C'est les hotkeys. Ah ben oui. J'avais bindé les armes avant. Et je sais pas pourquoi, genre, cinquième épisode, tout le binding est parti, et depuis j'ai la flemme de le refaire. Salut Raoul Laflac. J'ai pas pris les compétences de hacking. Tu me parles meilleur. J'ai 3 neuromodes. Je peux donc prendre Physician pour accroître ma l'efficacité santé par 300%. Ça double la puissance bienfaitrice des aliments. Ça, c'est Psy Pool. On la passe de 150 à 200. Je sais pas si c'est très utile. Ici, on peut rien faire. La mise minimum, c'est 4. Ici, on peut faire increase sur health pool to 150. On est à 115. Je sais pas. En même temps, on meurt assez rarement. Salut Anton. Mais non, il est pas interminable, c'est qu'on joue très peu en fait. On joue très peu, c'est pour ça. Super thermal. On prend ça. Allez. Ping. Zéro neuromode. Bah voilà, comme ça c'est. Voilà, la messe est dite. On a rien upgradé avec notre machin. On va upgrader le goût canon, le glue. Qu'est-ce qu'on prend? Incapacitation rate de 120 à 150. Handling. Range. Ah bah non, là on peut pas. Reload speed. Non. Et handling, c'est quoi? Increase movement speed while firing. C'est con parce que moi ce qui m'intéressait c'était la distance et. Et ça demande quoi? Ça demande l'Aptech 1. Bon. On va prendre ça alors. L'Aptech 1. C'est quoi l'Aptech 1? Alors c'est pas là. C'est pas là. Je vois pas du tout l'aptech. Ça peut pas être dans les trucs d'alien. Bizarre. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Donc, là, on peut pas. The nightmare is hunting you. Pff. Il me fatigue avec leur nightmare, là. En plus, c'est toujours la même béchamel, là. Jusqu'à ce qu'on le tue, on en a jusqu'à plus soif. Fred, j'ai pas assez de matière métallique, enfin minerai, pour les fabriquer.
Ouais, alors Enjolras, là on en est à 40 là déjà. Il est où le Nightmare? Il est en bas forcément. On l'avait pas looté lui. C'est haut ou pas? Ouais, c'est haut. Donc on est dans la mouise. Donc il m'a remis des opérateurs. Et un nightmare. Ah bah il y en a partout en plus. Donc on a dû trigger quelque chose. Ils ne nous voient pas, ils sont complètement cons ces machines. Disrupteur, disrupteur, et puis après, c'est toujours pas bindé mon truc. Clé à molette, c'est. Clé à molette, c'est là. C'est le 9, ok. Donc. Glou. Non, j'avais pas dit glou, j'avais dit disrupteur. Bon, il est où? Il est là. Evader kills the nightmare. Bon, ok, d'accord. Donc là. Ça doit déployer une espèce de passerelle. Caution, watch your step. Bah oui, je vois bien. Je vois bien. Quelqu'un a une idée? Alors, dans l'ingénierie en bas à côté de l'icône de recyclage. Possible echo on the radar. Merde. Il est derrière moi. Sur la tête. C'était pas vraiment du pro gaming hein, ça. Alors je vous avais pas emmené là-bas, je crois que j'avais tout nettoyé là-bas déjà. C'est quoi ça? C'est une toile? Broken. Certainement que Denis est passé par là. Oui, j'ai pas bu le gin, donc j'ai dû passer par là. Ça c'est la porte fermée de l'autre côté. Ah oui, là on peut descendre. Ah, c'est un autre pod de. C'est un autre. C'est une autre baie de d'escape pod.
c'est joli en haut à l'extérieur. C'est quoi ce truc là? C'est pour aller où? On ne sait pas. C'est joli, les stations internationales, spatiales. Let's go! Santé de grippe. Hein. Je cours dans les escaliers. Donc si ma mémoire est bonne, il y avait encore du... Il y avait encore des grippins. Faut juste qu'on les trouve. Et qu'on leur torde le cou. Dis donc. Et la santé alors? Touk. Et dis donc. Comment est-ce qu'on était descendu tout à l'heure? On était descendu en sautant comme des... Là, je me suis fait mal. C'est pas grave. Je ne sais que faire, dites donc. On est perdu dans Talos. Donc tu me disais d'aller voir... Alors pourquoi, Dom Yokel, pourquoi tu veux que j'aille dans cette salle? Pour le recycleur? C'est ça? Tu veux que je recycle des trucs? C'était pas là. Hein. Denis, c'était pas là. C'était... C'était là, non? Non, ça c'est le constructeur. D'ailleurs, on va voir si ce dont on a besoin pour... Les neuromodes. Il y a besoin de deux fers. Et le fer, c'est vraiment le truc qu'on galère avec. C'est vrai qu'Enjolras, c'est différent quand, quand tu streams. Enfin, j'ai remarqué, moi... que je joue vachement plus lentement, en fait. Shotgun Shade, il faut quoi? Ah, il en faut 3. C'est pas grave. Bon. Pour l'instant, c'est pas, pour l'instant, c'est pas très gênant. Mais tu me disais peut-être d'aller là pour autre chose, non? Oh, bah c'est très vite. On s'est fait mal moins longtemps. Est-ce que j'ai des trucs à recycler encore? Ouais. Pas des masses, mais bon. C'est toujours ça de gagner. J'ai du synthétique. Ah, j'ai du minéral. 0,7 de minéral. Ah, et 1 de minéral. On a pris 1,7. Le fer a dissous. L'eau passe. Et repasse. L'eau ferrugineuse. Oui. Alcool. Non. Alors, où est-ce qu'on rétablit l'électricité? Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde ses objectifs? Ça serait pas mal. Main story.
Alex is in hiding until Dal and his tech officer are disabled. Ok. Access Dal Common Shuttle. Ok. Mais comment? Comment est-ce qu'on accède à ce truc-là? On saute de quelque part? C'est quoi ce module là, là-haut là? Merde, il y a encore quelqu'un qui éteint la lumière. Oh bah dis donc. J'avais pas vu ça. Ah ça c'est une toile qui est toute cassée parce que je l'ai cassée. Comment est-ce qu'on accède à ce truc-là là? Je peux monter encore une petite chouquette, mais pas des masses. Hein. Je peux monter en réactivant les... L'électricité. Mais je sais pas où ça se passe. Mais tais-toi donc, toi. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce qu'il faut aller maintenant? Parce que là, il y a un ascenseur qui descend. Ça, on s'en fout, parce que là, en bas, on peut y aller nous-mêmes. Et là, à l'intérieur... là... Il y a un ascenseur qui monte. Il y a plein de trucs là-haut, là. Vous voyez, hein, on peut y accéder par là, là. Donc, est-ce que quelqu'un peut regarder sur les interwebs de comment est-ce qu'on réactive l'ascenseur qui est dans le... Je veux dire le long de la pièce. Ok, le long de la pièce n'est pas là. L'ascenseur qui est dans le employee entrance. Nous sommes donc dans le shuttle bay. Personne, personne veut m'aider. Vous voulez vraiment me voir galérer comme ça? Ça c'est pour retirer, c'est pour repartir dans le lobby. Ça va pas nous apporter grand chose. Ça c'est la porte de que on est déjà passé derrière, de l'autre côté. Ça nous amène nulle part sauf aux escape pods. Lui on lui donnait le coup de grâce. Hein. Voilà. Cet ascenseur qui monte semble dire au héros, envoie-toi petit bonhomme, lâche prise avec la réalité. Alors, est-ce que je peux te tutoyer? Parce que ça m'avance pas vraiment des masses ton truc. Non mais le petit lounge là, avant de prendre sa shuttle, regardez ça. C'était chic, hein, ça n'a rien à envier. Bon là c'est un peu le bazar, mais c'est parce qu'on a été attaqué par des aliens. Mais le petit bras zéro là, tranquillou, le mini-bar. Je sais pas si ça va être... Non, ça va être pas des masses. Salut Jim. Ce n'est pas que je veux pas, mais je connais pas ce jeu, je découvre avec... grâce à vous. Grâce à nous.
Écoute, c'est un jeu d'aventure en vue première personne, comme tu peux le constater. Et alors, il y a un petit peu d'action de temps en temps. On se dit, ouh. Là, on est d'accord, on peut pas sauter sur l'aile, hein, là. C'est beaucoup trop loin. Donc, il faut qu'on arrive, je sais pas, là-haut, moi. Comment est-ce qu'on rallume cet ascenseur, là ? Quelqu'un peut m'aider à tricher. Oli, tu peux regarder comment est-ce qu'on réactive cet ascenseur. Nous sommes donc dans le Shuttle Bay, dans Talos 1. Et Shuttle Bay, il y a... Oh, tu peux mettre, je sais pas moi, how to activate elevator in Shuttle Bay. Par exemple, si tu veux poser la question en allemand. Oh, Oli! On n'a pas ramassé les fleurs là. Voilà. Hop! Hop! Je cherche, dit-il. Je vois pas d'indice d'en haut là. Puis on a fait. J'ai l'impression qu'on a fait un peu toutes les pièces. Dis donc, j'en ai oxy quand même de la. Du military machin là. Bien, en attendant, nous allons nous mettre dans un... Eh ben dis donc. Hop. Comment est-ce qu'on fait? Ben oui, forcément, une fois qu'on aura l'ascenseur, ça sera beaucoup plus simple. Nous jouons en jeu 2017, pour ceux qui ne connaissent pas Prey. Qui est un jeu français, un jeu, non, c'est pas une quête, je demande juste comment réactiver les ascenseurs dans la Shuttle Bay, c'est pas une quête, la quête c'est d'aller dans la Shuttle, dans la Command Shuttle, ici, là, pour aller s'expliquer avec le gars qui, voilà, qui vient de débarquer et qui fout le dawa. Donc, mais je sais pas comment y aller sur cette shuttle, et je vous dis que là, on a encore un truc qui est pas exploré. Alors après, il y a un pont entre les deux, là, mais il a l'air tout cassé. Bon, ça se verra, on verra ça plus tard. L'affaire Fillon, bah oui. C'est 2017 ou 2015 ce jeu? 2017, hein, je crois. Il a 4 ans. Et voilà, c'est super chic parce que c'est très très immersif, etc. Pourquoi il me dit de descendre? Multiple objectif plus bas. Bon, on va essayer de suivre les pictos. Parce que vu que je suis jamais le... Je lis pas le manuel, je suis pas les instructions. Je suis le cauchemar du game designer qui dit mais gars, on te donne des indices. Donc là, vous voyez, c'est la quête. Il me dit il faut aller là-haut. Merci Jean-Jean. Là, je vois pas. Multiple objectives.
Multiple objectives. Where? Alors, ok. Donc, il veut qu'on sorte dans le Guts. Tu as fait la sortie à gauche du voltaïque. Alors, je crois que j'ai... Oh, la Terre. Regardez comme c'est joli. Vous voyez au bout, là-bas? On voit ou pas? Oui, on voit. Là où il y avait le voltaïque... J'ai tout rincé. Hein. Ah, quoi que ici, j'ai pas tout... Ah, j'ai pas tout regardé, là. Utilities. Craft shaft control. Please ensure there are no person inside the gravity shaft. Ici, c'est bon. Là où tu étais. Alors, attends. J'étais où? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il y a des mails qu'on n'a pas lus, déjà. Il aurait peut-être fallu... Ok. Help. Annie. Nanana. Voilà. Ok, super. Mais vous racontez votre vie dans vos emails là. Donc tu me dis là où tu étais, là où tu étais, là où tu étais, là. J'étais là. To the right of the shelf, next to the corpse, is a computer desk with Scott Parker computer. Corpse of Mary Stevens. Est-ce que on peut la récupérer? Andrea Hudson in Psychotronics. Get the key to Alex Escape Pod. Blow the Shuttle Bay Escape Pod. A priori, c'était l'ordi où tu étais à 30 secondes. Alors, Magila, ici. Ah, c'est elle dont on parle là. Oh, attendez. On va éteindre cet incendie. Mary Stevens! This says two email and under the utility tab you can activate the gravity lift. J'ai pas vu gravity lift, moi j'ai. Grave shaft, mais je suis con moi. Je vais sous le nez depuis le début. Donc là, vu qu'on a débloqué un truc, ça va nous envoyer des badises. Je viens te chercher, Denis. Et tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Bon, maintenant on peut remonter par les ascenseurs, c'est quand même plus pratique. Pas de badises. Bon, ok. Je veux bien. Hein. J'ai mon glue de toute façon. Il peut rien m'arriver. Il veut pas dire combien j'ai de... 72. Bon. Allez, hop. Graph shaft. Coucou, c'est moi. Ça marche avec ces trucs-là, là. Ça marche grave. Bim. Bon, ça c'était plutôt efficace. C'est combien de métal là? C'est 1,27. Pas mal. Là, on va pouvoir faire des... Requesting new operator. N-CN9 black box operator ready to deploy. Please stand clear.
Et eux, ils font mal. Donc cette machine, il faut la... Faut la casser. Et si on mettait du glue dedans, non? Voilà. Ok, bon bah là, comme prévu, on ne peut pas passer. Mais non, je veux pas ça moi. Je veux mettre la molette. Bon là il y a du pro gaming un peu là quand même. Non ? Je déconne. Pro gaming, c'est chez Agbu, c'est pas ici. Ok. Ah j'en ai pas beaucoup fait des jumpscares hein. pendant ce jeu-là. Oh mon dieu. Je suis con aussi, mais je rentre plus jamais avec ça là. Bon, c'est bon, il n'y en avait que deux ou comment ça se passe là? C'est quoi ça? On ne sait pas. Psy-hypo, mais oui, j'en veux. Je vais ramasser déjà ce qu'il y a à ramasser. On va le clipper. Ah mon dieu. Ils vont me clipper mon jumpscare. Qu'est-ce qu'on a ça? On en a déjà une. Ok, pour là on a tout bien nettoyé. Ah, il y a un coffre. Et est-ce que no password found. Et là on est en niveau 3. Hacking 3 required. Hacking 3, je crois qu'hacking 3 c'est genre 12 000 $ en euromode. Bon bah ici il n'y a plus grand chose à faire, à moins que... Donc là il faudrait avoir accès à l'ordinateur de Mia Baker. Quel rassemblement du corbeau, je comprends pas. Little de Montargis, comment vas-tu? Est-ce que là on peut pas sauter dessus là? Si on arrive à sauter là-dessus. Bon là on est d'accord, c'est tout cassé. Hein. How to access Control Tower. Ouais, t'as loupé. C'est rare. Hein. Dans Prey, c'est rare les jumpscares. Enfin, en tout cas avec moi. Parce que tu comprends. Pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça ici? C'est dommage que je puisse pas avoir accès à ce truc-là parce que ça a l'air drôlement chic. Hein.
Il y a du cadavre, il y a des trucs à récupérer sur le bureau là. Je ressemble. Ouais, non, alors j'ai un physique assez moyen, donc je dois ressembler à tout un tas de gens qui ont des physiques moyens aussi. Comment est-ce qu'on accède? Dis donc, Magila, tu pourrais pas refaire une autre petite recherche avec How to access Control Tower in Shuttle. In Shuttle Bay. Je t'en serai reconnaissant. Ah, attendez, on va faire un truc. On va faire un truc sous. Faire un quick save. Sur la barre du pont. Alors, le glou se colle pas à lui-même. On peut pas faire un pont, par exemple. Voilà, il rebondit en fait. Donc c'est compliqué. Vous voyez, il n'y a qu'une seule couche. Ah, ici. Comment ça, il faut être skillé? Moi, je suis super skillé. Ah, j'en ai plus. Non, j'ai plus de glue. Bon, alors, du coup, c'est où le fabricateur et tout ça? C'est tout en bas. Hein. C'est tout en bas, il y a le fabricateur. Et... ouais, c'est tout en bas. Alors il faut que je descende. Oui, alors d'abord je vais me fabriquer du. Je vais me fabriquer des canisses. Ah, attendez, bougez pas parce que ça sonne et forcément je suis tout seul. J'arrive. Bonjour. Je vous écoute. Ah, il n'est pas là aujourd'hui, monsieur. Ah oui, vous êtes en ligne avec, monsieur. Je suis en réunion. C'est à quel sujet? Ah, capitaine, c'est Denis. Alors, je suis en stream, moi. Et il n'y a personne, je suis tout seul en fait. À bientôt, salut. Ah, vous allez rire. C'était Captain Taras. Alors bon, ça c'est pour les vieux. Hein. Pour ceux qui nous suivaient dans une vie antérieure. Ouais, en réunion, mais tu sais jamais à qui tu parles en fait. Je suis en réunion avec vous, voilà. Donc c'est important. Mais là en l'occurrence c'était Captain Taras, donc il était bienvenu, mais il n'y a personne à la rédac. Il n'y a que moi. Bon après, c'est... les meilleurs, c'est suffisant. Écoute, j'ai pas vraiment eu le temps de lui demander, hein, comme vous avez vu. Hop 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 hop. On descend pas par là, on descend par là. Bien. Oui, j'aurais pu prendre le... Alors là, il y a des flammes. Hein. Faut passer vite. Hop. Ah bah non, je suis con, c'était là. Est-ce que j'ai assez... Oui, je vais avoir assez de trucs, là. Merde, c'est pas là. Je dis quand même beaucoup de gros mots. Hein. Ah, la canisse de glue. Deux métal. Ça me fait schmout. Hein. Il m'en reste 5. Donc je peux créer. Ouais, 84 aussi. Enfin, c'est assez efficace. Je vais quand même fabriquer. Il me restera deux métal.
Voilà. Du coup, maintenant, on remonte Fissa. Et on va voir qui c'est qui a du skill. Il est où l'ascenseur? Il est de l'autre côté. Oui. Et hop là. Et l'autre ascenseur, je suis perdu. C'est pas par là, c'est par là. Perdu dans Talos. Mais non, mais normalement, quand on stream, on est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un dans la rédac. Mais le mardi, là, ça commence à être un peu tendu. Il y a les 3 C le matin, il y a le télétravail. Donc, on recharge. Ouais, ça va être bien ça. On va quand même faire un petit quick save. Y a pas de mimique. Non. Pas de mimique. On va quand même prendre son doudou. Premier coup, t'as vu? Alors t'as pas la ref A de Eiffel. Moi non plus j'ai pas la ref. Bon, tout ça c'est du décor, ça sert à rien. Là aussi. Ah. Shuttle control. Extend jetway. Ben je veux moi. Ça réglera un peu nos problèmes ça. Avant de faire ça, puisqu'il va y avoir. Ça va déclencher tout un tas de trucs. On va quand même faire le tour de la pièce. Par exemple. Pour prendre ça. Par exemple. Regarde la note. Arrival time 6 AM, new hires and care package, maintenance, departure time 7 and board members, no cargo, volunteer passengers and crew packages. La commission technique dans les organisations professionnelles. Je sais ce que c'est que la COTOAP, mais. Ah, de copile! Excuse-moi, j'avais pas vu. Il y a la caméra en fait devant le chat, c'est pour ça. On vous dit à chaque fois avec Yvan. Et un jour on se dit. T'es qu'un mot? Ben ouais, mon gars. 4. Qu'est-ce qu'a dit Mia? Oh, c'est la même. Hypothetical question for you. Come on, Manny. Just be up front with me. I've seen you checking out my caboose in these Transstar uniforms. If you want to ask me out, just know I do not. This is serious. Oh, serious and hypothetical. Well, shit, I'm listening now. Let's say you discovered something incredibly treacherous. Life-threatening. Something everyone ought to know about. Hmm. I don't know. Send an email? Call security? But you needed to do it anonymously. Oh, shit. Flight log, airlift was at 9900, condition nominal pre-check flight certified. Ok, d'accord. Hey, what did you do? I didn't do anything. Not yet. Okay, well, as long as we're talking hypothetical, I guess I'd EVA my ass out to that orbiting billboard and flash it as big as Vegas on the screen. Ok, bah t'as qu'à faire ça. Thank you, Matthew. And for the record, your bottom looks frumpy. Whatever. D'accord, ok. Il se fait complimenter sur son bully. Extend jetway. Donc là, on va pouvoir voir. Oh, regardez. Tuk. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Rien. Ok. Alors, dans ce sens-là, c'est un peu plus poilu. Un peu plus poilu. Ouh! T'as vu comment je me suis penché en avant? Là, ils ont rajouté des baddies. C'est obligatoire. Moi, j'y vais direct, hein. Elle est en bon état celle-là, dis donc. Non, parce que j'en ai vu une dans l'espace. Eh, il voyage première classe, les gars. Je pense que dans la vraie vie... Non, pas de jean. Je pense que dans la vraie vie, c'était pas du tout comme ça. Hein. Pesquet, je pense que sa première classe, lui, c'était... Il n'y avait pas autant de choses. J'en profite, hein, je mange. Lemon pie. Ah ben non, je suis à 115 déjà. Donc je vais le prendre. Captain Spree's Fish Stick. Et du café. Ok. Please wait. Ah ouais, et là c'est la seconde classe. Moins cool déjà, la seconde classe. Et là c'est fermé et... No matching keycard. Un euro moins et des chips s'il vous plaît. Please wait, on dirait une photocopieur du boulot. Il parle anglais ? Entre deuxième et première classe, deux salles, deux ambiances. Hein. Ah, il y a encore des chips. D'accord, donc là, il n'y a rien d'autre à faire. Bon. Bah, je savais pas trop... je sais pas trop quoi... Ils m'ont rajouté des monstres là ou pas ? Il y avait un autre bouton. Il y avait un autre bouton. Ouais, il y a beaucoup trop d'alcool. En même temps, tu dois te faire chier un peu. Même une grande... Alors, les miettes de chips en zéro gravité, est-ce qu'on en parle ? Donc, il faut remonter là-haut parce qu'il me semble qu'il y avait un deuxième bouton. Et je l'ai royalement ignoré. C'est par là. Je l'ai royalement ignoré. Alors que ça devait certainement faire quelque chose. Donc on va refaire le mouvement super skillé. Qu'est-ce qui faisait le deuxième bouton ? Flight System Check. On va bien voir. Hein. All System Nominal. Ok. Bon bah là je suis tout... Alors...
Punk Harrington, comment vas-tu? Until Dal and his tech officer are disabled. Mais j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire dans cette. Search Dal's shuttle for clues to his tech officer's location. Vous avez vu des indices dans la shuttle? Ah non mais attends, et si on est élevé à la sauce Agbu, on est obligé. Magazine capacity, on s'en fout. Range. Allez. Et là, on range. Voilà. Look for clues in the shuttle. Faut que je retourne. Faut que je retourne dans la shuttle pour voir. Allons-y. On va être discipliné pour une fois. Et on va faire ce qu'il nous dit de faire. Il va tomber des grenouilles, hein, je peux vous le dire. Bah non, je suis con. Ok, tu reprends l'ascenseur. On était bien au bon étage, Denis. Alors, look for clues. Fermez la porte. Du gin, du bourbon. Du vin pétillant. Bon, donc les mecs, ils se bourraient la gueule. Et jouent aux cartes. Ah bah dites donc, regardez. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Bah j'ai oublié de lire tout ça. For Commander Walter Dal, message copy to all known points of contact. Initiate Kamazot's protocol. Wheels up and orbital inside the hour. Mission orders will be transmitted en route. Mission parameters for immediate dispatch. Transfer security clearance level Alpha Sigma required for access. Search Dal shuttle for clues. This is William Yu, acting chairman of the Trans Star Board of Directors. Okay. You'll need your credentials to authorize this mission. Of course. My authentication sign is Zeta Invictus Emperor Tangerine. Sign checks out. Good morning, Director Yu. Shuttle is hot and holding orbit. Awaiting mission parameters. You must secure every piece of Cobalt clearance level technology and research aboard Talos One. Then eliminate all Transstar personnel. Ah. All personnel. Qu'est-ce que j'avais dit? No survivors. No survivors. And their funeral. Payment will be deposited into six separate Benelux accounts after you transmit evidence of success. I leave my operator feeds on. Just keep watching. We strongly advise deploying your technical officer to a station router inside the firewalls first. Ideal site would be Psychotronics. Yes, I've seen the schematics, Mr. Yu. Goodbye. You will destroy this transmission after. Okay. Somewhere within Psychotronics.
Donc il faut qu'on retourne au Psychotronics. Du coup, on peut passer... On peut repasser par le lobby. Confirme. Oui, bien sûr. C'est un peu comme les Japonais. Tu dis, je veux faire ça. Êtes-vous sûr de faire ça? Est-ce que vous êtes bien sûr d'être sûr? Le lobby. Donc là, normalement, il y a des baddies. Sinon, c'est trop facile. Et il nous reste 20 minutes. Et c'est bien parce que dans 20 minutes, il faut que je retourne travailler. Valdred n'aurait de venir demander ici, mais je n'ai pas reçu le numéro de juin. Pas de réponse de la boutique. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé comme mail? Parce que si... je crois que je peux pas... Si, moi, je peux mettre des... Attendez, hop, 2 secondes. Incoming call. My ops are hidden as an HR expense in the Transstar books. It's true. I do solve people problems. Okay. Your workmates hiding in the cargo bay are going to suffocate in a few minutes. Ah, crotte. Maybe you can save them, but you'll have to come out of the walls, Rat. Life support. The clock is ticking. Kinétique. Super thermal. Controls are in life support. If you can help, do it quick. Or this is the last time we'll be talking. Life support. J'ai. Ah bah, ils m'appellent tous. Salazar's right to be alarmed. Attends, your assessment is mistaken. Dahl is manipulating the oxygen and nitrogen mixture. Okay. With nitrogen flooding into the atmosphere, anyone in the cargo bay will asphyxiate far more quickly than had he simply cut the oxygen. Okay. I suspect they'd already be dead if Dahl weren't trying to use them to manipulate you. Alors, on a 14 minutes. Tac, tac, tac. Je crois que c'est au pluriel. Je crois qu'il faut envoyer un mail à cette adresse en disant « J'ai pas reçu mon magazine !» Et on va s'occuper de vous. Alors dans l'Est, je sais qu'il y a eu quelques problèmes d'approvisionnement. Mais c'était de l'ordre de 24 heures. Salut tonton Yo-Yo. C'était de l'ordre de 24-48 heures grand max, et c'était mardi ou mercredi dernier, la sortie. Donc normalement c'est tout ça c'est réglé. L'ultimatum de Dahl. Find a way to restore oxygen to cargo bay dans life support. Alors life support, c'est où? On est où nous? On est au lobby. Lobby, faut aller au life support. Alors, je me rappelle plus comment on fait. Faut qu'on prenne cet ascenseur là, c'est ça? J'habite à Besançon. J'habite à Paris. Et vous? Vous habitez où? Alors, du lobby jusqu'au live support. Il faut qu'on trouve... Mais non, je suis con. Je voulais regarder sur l'autre carte. Tic, tic, tic. Main lift, il est en plein milieu, Denis. Donc, normalement, live support...
Main lift, il est là. Life support. Trop fort. Bon, en revanche, ils vont nous mettre des badises. Ils vont pas simplifier la tâche comme ça. 13 minutes. Life support. Chino 457. Oui, je confirme. L'ananas volant. L'ananas volant. C'est très chic, Lille. J'y vais au mois de septembre. Figurez-vous, parce qu'il y a une... Il y a un événement qui n'a pas eu lieu l'année dernière, forcément, pour cause de crise sanitaire. Un événement qui s'appelle le Game Camp à Lille. Et je crois que ça doit être le quatrième opus. C'est vraiment génial. Alors, c'est réservé aux développeurs parce que c'est des confs, des conférences. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Alors, rétablir l'oxygène. Oxygène Flow Control Room. Par où? Ouais. Oxygène Flow Control Room. C'est donc par ici et c'est sur le même niveau. Je sais pas trop où c'est. Maintenance Access Panel. Ok, ça s'ouvre pas. Je vais quand même descendre voir. Atmosphère Control. Ah oui. Mais ils m'ont pas vu là? Alors tout à l'heure, on a quand même eu pas mal de succès avec... Ah bon, on en a pu. Electrostatic Burst. Ça peut être pas mal. Null Wave ou EMP. Lui, il veut me faire schmout. Ouais, on va peut-être pas... Air filtration. Ah, il est là. Initiate decontamination. Atmospheric decontamination procedure initiated. Oxygen flush commencing in 5, 4, 3, 2, 1. Hazardous atmosphere conditions. Morgan, air's almost gone. Please,
kill that sociopathic wirehead. Alors attends, je prends mon doudou. Et on va courir. On va y aller. Ah, il était là, je suis pas fou, hein. Il est où? Où est-ce qu'il est parti? Il est où? Quelqu'un sait où il s'est caché? C'est n'importe quoi mon truc. On a de l'AMP encore? Ouais. Où est-ce que j'en suis? Ah ça y est, je suis là. Ouais, alors bon. Ok, c'est pas vraiment du pro-gaming. Hein. Et eux... Walter et... Coucou cadeau bonus. Dans la salle contrôle 02 au sol. Ah, il est mort? Donc je suis en train de faire le tour pour rien, là. Ok, santé, tout ça, machin, c'est à peu près bon. Et là, on prend quoi? Pff, je sais rien, moi, je suis à court de... Je vais prendre ça, hein. Oh là 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 là, ça va très 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 vite. Ça va super vite. Bon, ça, je crois que c'est les baddies les plus bad qu'on a eu, hein. Vous pensez pas? Poink. Viens m'aider, toi. Ok, super. Donc, vous êtes en train de me dire, avec vos mots à vous, que je suis passé à côté, c'est ça, et qu'il était mort? C'est le corps qui était à l'entrée du truc, là? Eh oui, c'était lui. Ah non, il est unconscious. Air mixture régulateur.
Ouais, ah bah voilà. Repair. Take place. Morgan, the air's flowing again. I can breathe. And I hope this means Dal can't. Thank you. Bah je sais pas. On me dit qu'il est inconscient. Never mind. Elazar out. Je l'ai même looté, ouais. Bon, du coup, je le laisse ici ou je le tue? Parce que moi, je peux lui foutre un coup, là. Bah, voire deux. Il est toujours inconscient. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ce jeune homme. Il m'avait l'air un petit peu belliqueux, hein. C'est clair. Are disabled. Donc, il faut aller dans les psychotroniques. Je fais quoi? Je le tue? Bah, tonton Yo-Yo, moi je suis d'accord avec toi. Dans ces cas-là, on laisse rien derrière. Donc, on le tue et on va aux psychotroniques. Vous êtes prêts? Un coup derrière la nuque. Attends, ça va me niquer toutes mes... Bon, lui, il en mettra plus personne. Eux, ils sont tout cassés. Bien. Psychotronique, c'est où déjà? Ah ouais, alors là on va se faire là on va se faire attendre par des loulous là, non? Oui, ils sont morts. Là, ça n'a pas changé, il n'y a personne. Ok, alors psychotronique c'est où? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un télépasse. Ok, alors télépasse. Quelle sauvagerie. Mais quelle indignité. Dis-donc, il est moins 5. On se fait le télépasse et puis après on arrête. Alors télépasse. Je peux lui foutre le feu? Parce que maintenant on a un... On a... Organic enemies will continue to burn for several seconds. Ah oui, ça c'est un sas. Ah bah ouais, il brûle. Wouah, ça retire pas mal de sa vie, hein. Mais il est mort. Très efficace. Bon là, il y a eu un événement quand même, là. C'est où psychotronique? Aucune espèce d'idée. Ah, on peut pas y aller à partir du lobby, c'est ça? C'est encore un truc, il faut qu'on passe dehors ou faut qu'on passe par le Guts. Alors le Guts, c'est devenu un coupe-gorge.
la dernière fois que je suis passé, heureusement que j'ai tracé, parce que il y avait des cystoïdes partout, des trucs qui tiraient dessus. En plus, vous le savez, me déplacer en microgravité, c'est pas mon truc. Donc life support, il faudrait qu'on remonte au lobby et après qu'on arrive. C'est quoi le million dollar cold gun? Je ne sais pas. Est-ce qu'on retourne au lobby? Moi, je retourne au lobby. Cargo bay, c'est loqué. Et donc le lobby, c'est par là-haut. Pourquoi il y a à nouveau un schmutz ici hein? Parce qu'on avait tout réparé là. On répare. Ça va, ça prend pas trop de. Voilà. Ça prend pas trop de points de vie. Là, c'était pour aller où? Lower level, je me rappelle plus de ça. Oh là oui. Ah si si, je me rappelle très bien. On retourne au lobby. Allez. On retourne au lobby et puis on va s'arrêter là, sauf si on tombe sur un baddie. Oh là. Le matching qui carne. Hop, dans l'ascenseur. Chantal Lobby. Merci Eiffel. Est-ce que t'as ton permis de faire des blagues de. Faire des blagues de daron? Alors pour terminer ce stream, un petit une petite confidence. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec le patron d'un studio qui s'appelle Slow Clap. Now serving live support. Ok. Enjolras, nos anciens voisins. Exact. Lobby. Je suis en train de réfléchir. Tu peux répondre par l'emote Slow Clap. Slow Clap, c'est ceux qu'on fait Absolver, qui était ce jeu de fight assez cool. Et effectivement, ils ont fait Sifu l'année dernière. Je sais pas d'ailleurs si c'est pas encore en post-prod pour des. Oh si, là, c'est chic. Bon, c'est le bazar, mais c'est chic, ce lobby, là. Ça a de la gueule. Oh, ça a de la gueule. Des escaliers, des arbres. C'est simple, on se croirait chez Yvan, là. Voilà. Il y a un peu moins de doré chez Yvan. Il est un peu moins bling-bling. Donc Tonto Yo-Yo, il n'est pas encore sorti, d'accord, ok, donc ils sont encore en train de travailler dessus. Ben, je pourrais vous dire mardi prochain où en est Sifu. Puisque il va me mettre au courant ce soir, c'est sûr. La question était, est-ce qu'on peut aller au psychotronique? C'est le jeu ouais, d'arts martiaux chinois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est pas du karaté, c'est plutôt kung-fu. Et j'ai vu, comme vous, hein, que les vidéos de présentation pour l'instant.
Je vais peut-être voir des trucs supplémentaires ce soir, je sais pas. Ça dépendra de son humeur. Psychotronique, on peut y aller à partir du lobby. Mais... Psychotronique foyer. Psychotronics. Ce serait tellement simple si c'était que ça. Là, j'ai rien dans les mains. Là. Je vais prendre mon doudou. Sont les méchants. Là, il y a des trucs un peu chelous quand même ici, non? Il y a rien? Non. Ça va me tomber dessus. C'est après cette porte. Attends. Ok, bon, on va s'arrêter là. On va ouvrir la porte. On va... À combien de bières il lâche l'info, tonton Yu? C'est la vraie question. Je vais voir. Je vais voir. En même temps, c'est un gars qui a de l'entraînement, on peut dire. C'est... On était adepte d'un petit bar... à côté de Soleillet, qui s'appelait les Tontons Bringueurs. Voilà. C'est dans le 20e. Comme ça, vous pouvez aller voir où est-ce que l'industrie va se dévoyer. Alors, attendez. Hop, 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 attention. Là, il y a l'électricité d'un côté. On entend des balises. Oh là 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 là. Salut! Donc là, je sais absolument pas où je mets les pieds. Forcément, avec une petite détection de badise, ça irait mieux. Mimique, où ça? Là. Elle est où? Catmètre no new data. D'accord. Donc c'est ces petites boîtes là. Oui. Mais je ne suis pas chez Dieu. Il faut y aller là, Denis. Hein. Il est plus de 16 heures, faut retourner travailler. Hein. Généralement dans les toilettes et du gameplay. Là on entend des trucs hein, quand même. Oui. je sais toujours pas comment faire pour le... C'est quoi Q-Beam?
Je l'ai pas tué du tout avec mon machin là. Le télépasse. Non, c'était pas un télépasse, c'était un fantôme. Si je l'ai tué, ok, d'accord. Merde, c'était un ami. Désolé. Bon, je vais te réparer. Ça ressemble drôlement à Prey, ce jeu, non? Oui, c'est ça. Ouais. Oups, désolé. Oups, la boulette. Glucassist, hit. Mimic tumeur. Tout le monde se trimballe avec des tumeurs de mimic. On va reprendre son doudou. Et on va... Pourquoi Atrium? Mais on m'avait dit... Faut tuer tout le monde. Faut tuer tout le monde dans le Psychotronics. Ok, d'accord. Ah. C'est quoi ces bruits? Oh là 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 là. C'est terrible. Poltergeist, c'est ça. Le poltergeist, un coup de grisou et hop. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas où sont les oiseaux à trucider. Parce que là, il me dit, on retourne dans l'atrium. D'accord, donc là, là il y a plein de trucs. Pierre, sur ces entrechats, nous allons faire une quick save. MP avec le calendrier. Vous calmez direct. Hein. Voilà. Et on met sur pause. Et les petits loulous, je suis retourné travailler, on a fait 10 minutes de rab. Merci pour votre soutien et inconditionnel et permanent. Je vous rappelle que le prochain stream, normalement, s'il n'y a pas eu de modification, c'est demain 17h. Vous allez pouvoir voir demain le canard psycho, comme on l'appelle maintenant, canard PC Football Club contre le PSG. Et ouais, parce que Yvan, il a fait du national, il a fait de la Ligue 3, et il a fait de la Ligue 2, maintenant il veut se frotter au meilleur de la Ligue 1. Et on lui souhaite, ouais, on lui souhaite de mettre une pâtée au PSG. Entre temps, eh ben, portez-vous bien. Moi, je m'en vais en grand week-end à partir de jeudi.
Et je serai de retour mardi, évidemment, pour le 18e épisode. Si Agbu a fait 30 épisodes de Satisfactory, je peux en faire au moins 20 sur prêt. Bon, puis à un moment, on va arriver à la fin de l'histoire. Sur ce, je vous embrasse tous. Et attends, est-ce que je choisis la bonne scène? Je vous embrasse tous et je vous dis à mardi prochain. Portez-vous bien. Même toi. Oui, toi aussi là-bas.